Dieu, viens à mon aide. Secret.
De l'épître de Jacques. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Les corps des apôtres reposent dans la paix, leurs noms sont vivants pour les siècles. Yeah.
Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu. Pour les peuples de la terre et ceux qui les gouvernent. Pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ et pour nos frères chrétiens les plus proches. Pour ceux qui nous ont fait du bien et pour ceux qui nous haïssent. Pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades. Pour ceux qui comptent sur nos prières malgré notre faiblesse. Pour nous-mêmes et pour ceux qui reposent dans la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.